Est-ce qu'on est vraiment surpris? On commence à être tristement habitué de cette nouvelle purge. Dans la lignée de nos derniers matchs, offensivement, c'est triste à mourir. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de caractère, il n'y a rien qui va dans cet OM. Même individuellement, vous verrez, on va faire les tops et les flops. J'ai du mal à sortir un joueur du lot dans la performance de ce soir sur 90 minutes complètes. On perd 2 points contre un Strasbourg qui était pourtant bien faiblard en première période, qui est 15e, qui va très mal. Et on ne mérite pas de le gagner le match, au vu de notre deuxième mi-temps qui a été catastrophique. On a été mangé au milieu de terrain. Et aussi, nos offensifs ont été tristement muets, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Bon, on va commencer par le secteur offensif. Vitinha, est-ce que tu as fini vraiment ta formation d'avant-centre? Les fautes bêtes sur les duels aériens, le coude, la main, le visage, ton placement. Et ta soi-disant qualité de buteur, de renard des surfaces, d'avant-centre, inexistante. Alors oui, t'as beaucoup bougé pendant 20-25 minutes, mais qu'est-ce que c'est faible pour porter le maillot de l'Olympique de Marseille, et surtout avec ce prix de transfert de 32 millions d'euros qu'il faut évoquer. On n'osait pas le dire les pros et moi pour pas lui mettre de pression, mais au bout d'un an, on va en parler. C'est une catastrophe industrielle, comme Aubameyang, mais ça on en a déjà assez parlé. Ismaïla Sarr fait une entrée très mauvaise. Un QI foot déplorable. On se demande si c'est le vrai Sarr de Rennes à l'époque, il y a 2-3 ans, de Watford sur certains gros matchs, etc. Très déçu de son niveau à l'OM et désespéré et quasiment fataliste sur lui. Je ne le vois pas s'imposer chez nous. C'est un gentil joueur, il n'a pas le mental. Et niveau footballistique, c'est un joueur d'espace uniquement, qui est capable dans les grands matchs de faire la différence, de scorer. Le problème, c'est qu'à l'OM, tu joues différemment en principe. Enfin bon, tu vas me dire qu'avec cet OM qui flirte avec le milieu de tableau, voire le maintien, les équipes adverses vont essayer de gagner les matchs face à nous. Ndiaye, bof, bof, pour un mi-temps correct, la deuxième, il s'est assez éteint. Il y avait une mauvaise connexion avec Harit. Tantôt, je la demande en profondeur, tantôt dans les pieds, les deux ne s'en comprenaient pas. C'était terrible à voir. Harit a été encore pire. La hype Harit hein, va commencer à se calmer. Certes, on l'adore tous humainement, c'est un super mec, Amine. Mais sur le terrain, depuis quelques matchs, une catastrophe. Il n'a pas le niveau pour être le meneur de jeu de l'OM. Et il n'y a personne, de toute façon, dans cette équipe pour prendre le jeu à son compte. Dans la création, c'est la cata. Harit a été très très mauvais. Un des pires, comme Correa, qui est la pire recrue de l'OM depuis très longtemps. On ne va pas faire un jeu hein, entre les Jiménez, entre les Mendoza, entre les. Et encore, ce n'est pas le même poste. Entre Abdelaziz Barada, tiens. Quoique, non, c'était un meneur de jeu. Mais bref, qu'importe, on s'en fout de ça. Mais peut-être que dans 10-15 ans, quand on fera le 11 des pires joueurs passés par l'OM, Correa sera dans le lot. C'est possible. Et ce ne sera peut-être pas le seul, d'ailleurs, dans cet effectif. Unai, entrée qui ne sert à rien. Nonchalant. Aucune passe intéressante vers l'avant. Une entrée neutre, mais une entrée même mauvaise, parce qu'à la récupération, il vole. Hein. Il vole comme une mouche sur chaque contact. Veretout a fait une bonne première mi-temps, avec des passes intéressantes dans la surface, des bonnes ouvertures. En deuxième, il a une grosse occasion de marquer, puis s'est éteint au fil du match physiquement. Il a raté des contrôles, il a perdu des ballons. Je suis déçu de Kondogbia. Déçu de Kondogbia aujourd'hui. Ce n'est pas le leader du milieu de terrain qu'on attend. Niveau très très moyen de Kondogbia. Bon, il revient de blessure depuis quand même 3 semaines. Il n'y a pas d'excuse par rapport à ça. Lodi a été mauvais. Hein. Défensivement, il défend très mal. J'ai en tête une action en début de match où il laisse la fenêtre de centre à Gamero au lieu de fermer son côté. Et pareil que Vitinha, hein, sur les duels aériens, et vas-y que je mets la main, le coude, etc. Et ça nous coûte des coups francs. Bon, il apporte de temps en temps offensivement quelques bons centres. Mais c'est un joueur sans plus offensivement et mauvais derrière. Klaus, excellente première mi-temps. Avec ce but à la clé, c'est un combattant. Allez, on va dire que c'est quand même le top de ce match, Klaus. Et dans ce début de saison, c'est le joueur le plus régulier. La charnière centrale, ce soir, Balerdi, pas mal d'erreurs dans les 20 premières minutes. À l'image du but, hein, où Gamero s'extirpe, s'excentre intelligemment. Il n'est pas hors jeu. Bon. Balerdi se fait un peu enrhumer. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu des duels perdus aériens. Il a fait aussi quelques bonnes interventions en deuxième mi-temps à 1 contre 2, parfois même. Et puis Mbemba a fait un match correct, mais c'est pas le Mbemba de l'an passé défensivement. C'est pas le même. Paul Lopez nous sauve quand même le point du match nul en deuxième mi-temps. Bon, les entrants, on n'a pas vu Bilal Nadir, on va pas lui jeter la pierre, c'est pas le sujet. Ismaïla Sarr, j'en ai parlé, et puis c'est tout. Hein. Gattuso n'a pas réussi à changer le match en deuxième période, parce que de la 45e à la 90e, le match, il n'a pas changé. Hein. On n'a pas réussi à renverser la tendance, alors que moi j'étais persuadé, sur le direct, on allait prendre le dessus. On a fait 20 premières minutes assez intéressantes, j'ai trouvé dans le jeu, un peu mieux que d'habitude. Mais on a vite plongé, hein. On a vite plongé.
Voilà, que dire Marseillais, je vais pas me rendre malade avec cette équipe tous les jours, même si je sais que demain ça va pas aller. Lundi, j'espère que ça va aller, parce qu'en général, hein, les défaites cruelles du début de saison, Panathinaïkos, même contre Metz, je crois, avec ce match nul honteux, Nice, Monaco, je mettais 2-3 jours. Voilà, l'OM, c'est ma vie, c'est au quotidien. Ça s'oublie pas après le match, mais je vais quand même faire attention à moi dans les prochains jours parce qu'on va galérer cette saison, comme j'en ai connu des saisons galères à l'OM même. Un peu pire que ça, on était encore plus bas. On changeait l'équipe dans les années 2000, hein, au début, en 2000, 2001, 2002, et on s'enflammait à chaque mercato, chaque été, en changeant 95% de l'équipe, en pensant qu'on allait jouer le titre. Hein. C'est vrai, hein, d'après France Football, je me rappelle, et d'après les supporters marseillais, c'était comme ça. J'ai pas envie de repenser à cette époque. Robert Louis Dreyfus, Roussier et j'en passe, Marchand, très très compliqué. Mais est-ce qu'on va revivre une année semblable? Faudra surveiller les prochains résultats. On reçoit Rennes. Rennes, tu peux le perdre le match, bien entendu. C'est une équipe qui n'est pas à sa place, qui mérite mieux, au contraire de l'OM. Ils sont 15e, mais ils méritent mieux. J'ai vu certains matchs. Nous, on est à notre position. Parce que soit on peut perdre le match contre Reims, on ne doit pas gagner. Contre Brest, on ne doit pas gagner. Il n'y a que le Havre où tu domines ton sujet. Le seul match de Ligue 1, on est au-dessus. Non, mais c'est triste, c'est honteux. Hein. Les joueurs, vous manquiez de tout, de talent, de caractère, d'âme. Vous ne méritez pas le maillot de l'OM. Qui mérite le maillot de l'OM? Ils peuvent tous partir, j'en ai rien à foutre. Tous. Sauf Klose. Mbemba, malgré tout. C'est tout. Après le reste, qui c'est que tu veux retenir? Harit, s'il y a une offre de 25 millions d'euros, eh ben je laisse partir à Naples. C'est bon les gars, arrêtez un peu. Il y a un coup de cœur pour Harit, pour plein de raisons, mais il est plus dedans. Je peux retenir aucun joueur. Aucun joueur. Bon, la bonne nouvelle, c'est que Gattuso, en conférence de presse hier, a dit que ça va bouger au mercato. Donc, on imagine qu'il y a une enveloppe de prévu quand même pour travailler, pour faire venir 3 à 4 joueurs. Ce serait déjà pas mal. Mais pour la saison de Ligue 1, ce sera déjà trop tard. On aura trop de retard à la mi-saison. Il restera la Coupe d'Europe et la Coupe de France, a priori. Match dominé par l'OM pendant 25 minutes. Fin de première mi-temps, on a toujours la possession du ballon sans être très dangereux. Et en deuxième période, c'est Strasbourg qui a eu la mainmise globalement. Il y a eu combien de corners, combien de centres, combien de percées des milieux de terrain adverses, de Diarra, de Mwenga, qui ont déposé Veretout notamment. Et puis derrière, on est en difficulté. Lopez sauve la baraque, qui est devant, on ne produit rien. Strasbourg a été meilleur pendant 45 minutes face à l'OM. Dans un match où on devait gagner, où les joueurs devaient se rendre minables sur la pelouse. Mais ils n'ont pas réussi à renverser le match, alors que je pensais que quand on a égalisé, on était dans une période en plus assez intéressante. Eh bien non, ça n'a pas pris, on ne fait pas 80 minutes pleines. À l'image des joueurs, il n'y en a aucun sur le terrain qui est capable de faire un match plein. Tantôt, il y en a un qui est dans une bonne phase, l'autre, il disparaît. Et encore, je suis gentil, hein, parce que la plupart du temps, les trois quarts, c'est des fantomas ou c'est des incapables. L'entrée d'Aubameyang, bon, je vais pas lui taper dessus, voilà. Il a récupéré deux bons ballons sur des cadeaux adverses. Notamment sur la dernière action, une bonne conduite de balle, il s'ouvre la fenêtre de tir. Mais il y a le super tac de Perrin, vraiment, qui touche le ballon. Je l'ai trouvé quand même mieux que Vitinha, Aubameyang, pendant. Enfin, le Vitinha, la deuxième mi-temps. Mais tu sens qu'il a perdu en vitesse pure, ouais, mais surtout dans son explosivité, dans ses changements de direction, dans ses appuis. Il prend de l'âge, c'est normal. Mais il fallait prendre une retraite dorée loin de Marseille. Hein. Tu vas pas rester avec ce contrat Aubameyang pendant 2 saisons. Hein. Ça va gronder, déjà que ça gronde très fort, ça va être invivable pour toi. Et même les critiques que tu vas recevoir, c'est pas agréable. T'as beau toucher beaucoup d'argent, il y a une meilleure façon de finir sa carrière. Il n'y a pas qu'Aubameyang, il y a Vitinha, il y a Harit, il y a Unai, il y a Sarr, il y a Ndia, il y a Correa. Il n'y a aucun qui va dans le secteur offensif. Il n'y en a aucun qui va. Alors oui, peut-être que certains sont moins pires que d'autres. Et encore, j'ai parlé peut-être de Harit et Ndiaye, moins pire que les autres. Mais ils n'apportent pas, ils font pas des bonnes performances. Voilà, c'est bof, c'est trop léger. Puis bon, Lodi, je suis déçu encore une fois. Bref, je vais m'arrêter là les amis, prenez soin de vous. On se retrouvera jeudi pour l'avant-match contre l'Ajax. Je ferai une vidéo la veille. Le match en direct et puis le débrief. C'est la Coupe d'Europe, une autre compétition. Ça se passe pas trop mal au point de vue européen pour l'instant. On est tombé contre un très faible Ajax. Bon, Brighton, c'est autre chose. Même s'ils n'ont pas d'expérience européenne, ils n'ont pas l'ADN
En Coupe d'Europe, on a fait une bonne prestation au Vélodrome contre eux, mais c'était un OM. Quand Gattuso venait d'arriver, bien meilleur que maintenant. Ça qui est inquiétant. Sous Gattuso, on n'a pas progressé au fil des matchs. Et ça, c'est un constat qu'on peut faire. Hein. On a l'équipe type là. Gigot est blessé, Balerdi le remplace. Rongier est blessé, ça change rien. Veretout est présent. C'est l'équipe type de l'OM. Regardez ce que ça donne. Bon, allez, j'espère malgré tout les 3 points en Europa League. Et après, il faudra battre Rennes. Enfin, je ne sais plus quoi dire. Parce que je ne sais même pas si on peut battre Rennes. Et c'est déjà trop tard, peut-être, pour le podium. Ça, je pourrais répondre que demain, hein, en faisant un petit calcul mental par rapport aux résultats des autres de Nice. Est-ce qu'on doit viser la 4e, 5e place? Est-ce que vous signerez Marseillais pour une place en Europa League l'an prochain, vu l'état actuel? Moi, je vais pas tarder à dire oui. Hein. Si on est 5e ou 6e, c'est pas mal. Hein. 5e, c'est Europa League. 6e, je sais plus si c'est la conférence. Au moins l'Europa League. Mais déjà, il faudra enchaîner une série. On a trop de points de retard et on a beaucoup de mal à gagner, ne serait-ce qu'un match. Donc tu vas me dire, faut regarder derrière. Bah ouais. Je sais pas quoi vous dire. J'ai la tête. Allez, je vous laisse. Allez, l'OM. À bientôt.